Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Jocksbox TV. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une vidéo assez spéciale. On va dire que c'est un, un genre de tuto ou une astuce qui va vous permettre de filtrer les vidéos YouTube. Bon, sachez qu'en qu ce moment, ben, c'est un peu la, la galère. Hein. On ne peut pas filtrer les vidéos. Il y a eu apparemment un problème. Euh, ça ne fonctionne plus. Donc je vais trouver une solution euh, temporaire qui va vous permettre de d'utiliser ce filtre les filtres de youtube en quelque sorte avant que ce soit réparé au plus vite on espère donc la première étape rendez vous sur votre moteur de recherche mais vous montrer un petit exemple par exemple blackout euh, ou ouais, blackout on va essayer donc euh, par exemple voilà là, je suis sur blackout et comme vous pouvez voir si vous filtrez par exemple là là c'est une semaine, 21h, 3 jours, 2 jours. Si on veut filtrer, voilà ce que ça donne. Dernières heures. Et eh bien ça fonctionne pas. Voilà, on a 21h. Normalement, dernière heure, ça devrait être la dernière heure. Donc euh, là, il est 20h44, ça devrait être jusqu'à 19h44. Or là, vous voyez, toujours une semaine, un mois. Enfin voilà, c'est pas... ça fonctionne plus. Apparemment, il y a un problème, ils sont en train de le... De le régler. Bon, espérons que ce soit au plus vite parce que moi, c'est vrai que c'est une fonction que j'utilise assez régulièrement pour voir les vidéos de petits youtubeurs, on va dire. Euh, parce que bon, les gros, ben, ils apparaissent dans nos, dans nos actualités, on les voit directement. Par contre, ceux-là, ben, les petits, on les voit pas. Il, faut, il y a des bonnes vidéos à regarder. Donc, je vous montre l'astuce. On va partir sur blackout. Donc, vous allez sur YouTube dans votre moteur, euh, sur YouTube, sur Google dans votre moteur de recherche. Ou si vous en avez un autre, vous faites n'importe lequel vous voulez. Ensuite, bon là je vous parle de Google en particulier. Vous tapez Blackout. Désolé hein, parce que je vois rien. Blackout. Voilà. Et vous marquez espace site de point YouTube point comme. voilà blackout après vous marquez ce que vous voulez hein. si vous cherchez euh, n'importe un, quoi, une vidéo euh, sur Call of Duty ou n'importe quoi c'est pas un jeu, c'est autre chose un prank, une vidéo euh, drôle n'importe quoi, une musique et que vous voulez euh, un mot clé qui apparaît dessous le, la vidéo ou alors dans le titre ou dans les, dans les mots clés donc vous tapez, par exemple moi c'est blackout parce que c'est le jeu Call of Duty le mode euh, Battle Royale donc, blackout, site 2.youtube.com et vous mettez rechercher. Donc là, il va vous apparaître les vidéos où il y a le mot blackout. Voilà, comme vous pouvez voir, il y est. Euh, donc, ensuite, bon, comme vous pouvez voir, par contre, euh, c'est trois jours, c'est septembre 2018, c'est pas, pas ça encore. Vous allez dans outils et là, vous avez toute la, toutes les durées. Donc euh, en fonction de la taille de la vidéo, enfin la durée de la vidéo, les pays, les langues et dates indifférentes. Donc là, vous avez moins d'une heure, 24 heures, une semaine, un mois, à peu près comme YouTube. Donc là, on va chercher les vidéos de ces dernières 24 heures. Voilà. Là, comme vous pouvez voir, vous avez des vidéos des dernières 24 heures, 20 heures, 23 heures. 18h, 14h, 21h. Comme vous pouvez voir quand vous descendez, voilà, une heure, tout ça. Donc c'est bien, ça a bien marqué, marché ce filtre. Ensuite, vous cliquez et vous allez atterrir sur la vidéo. Euh, voilà, une des vidéos. Bon, ça c'est le mode blackout. Voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, liker et mettre un petit commentaire. C'est une astuce qui va vous permettre temporairement hein, d'utiliser YouTube, d'utiliser les fonctions du filtre. Mais c'est sûr que c'est pas c'est pas le top mais au moins ça permet de dépanner le temps que que YouTube corrige ça. Donc je vous dis à bientôt.